Et bienvenue pour ce nouveau live, je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Nina. Bonsoir Chef Philippe et bonsoir à vous tous. Donc ce soir, on va réaliser une nouvelle recette pour Pâques. Donc ce seront des entremets œufs de Pâques au cœur de passion. Donc un entremet très facile à réaliser. On va utiliser donc deux moules. On va utiliser le moule Microstone pour faire des petits inserts. Donc ce sera le cœur passion avec un crémeux passion à l'intérieur. Et le moule Egg 70 en forme d'œuf. Voilà, il y a des petites précautions à prendre pour permettre un démoulage facile et une tenue facile surtout, parce que la forme d'œuf va nous permettre, va rendre difficile la stabilité de l'œuf, en fait, toi, si tu veux le mettre vraiment à la verticale. Alors, je vous montre l'œuf, le moule de l'œuf. Il est posé sur une petite pastille qui fait à peine 3 cm de diamètre. Et cette pastille, eh bien, une fois que l'œuf est démoulé, ben, c'est petit, donc on va bien voir comment faire pour obtenir un résultat et ne pas avoir des œufs qui, au bout du compte, se cassent la figure. Oui. Donc, on va commencer tout de suite par le biscuit. On va faire un biscuit qu'on n'a jamais fait. C'est un biscuit à l'huile d'olive. D'accord. Donc, ça va donner un petit parfum à ce biscuit. Et c'est un biscuit extrêmement facile à réaliser parce qu'on va tout mixer, tout simplement. On ne va pas se casser la tête, il n'y a pas d'ordre. Donc on a du lait, on a du sucre, on a de l'œuf entier, de l'huile d'olive, de la farine type 45, de la levure chimique. Et j'ai mis de l'arôme naturel citron bio, j'en mets 4-5 gouttes. Si vous n'avez pas d'arôme naturel, vous mettez du zeste de citron tout simplement, pour râper un quart de citron jaune, et ça fera tout à fait l'affaire. Alors pour cela, il nous faut un petit mixeur. J'ai allumé également le four derrière moi à 180 degrés, à chaleur tournante pour la cuisson de ce biscuit. Et j'ai une plaque de cuisson en 40x30 avec une toile de cuisson ici en silicone. Mais on pourrait très bien le faire sur un papier sulfurisé. Ça n'a pas d'importance. Donc on va mettre tous les ingrédients dans la cuve du mixeur. Dans le lait, le sucre. Le lait de préférence, un lait entier. Si vous avez du demi-écrémé, ça marchera aussi. Ben, ça marchera avec tous les laits, mais ça sera quand même plus goûteux avec un lait avec quand même un certain taux de matière grasse dedans. On va mettre l'huile. Donc, l'huile d'olive, ça c'est à vous de choisir une bonne huile qui vous plaît, qui a une bonne saveur pour vraiment donner un bon parfum à ce biscuit. La farine. Et la levure, et un petit peu de levure chimique. Et pour finir, l'arôme. Donc je vous le redis, c'est arôme citron bio ou du zeste qu'on râpe directement dans la cuve. On va mixer le tout donc finement pendant quelques secondes. Alors du coup à la maison, on peut le faire avec un mixeur classique, mais on peut aussi le faire avec n'importe quel robot classique. Alors là je mixe, je bats pas. Oui. Le fait de mixer, ça, c'est différent que de battre. D'accord. Battre, on va mélanger les éléments, mais moins en profondeur qu'avec une lame qui va venir bien chez toi. D'accord. Donc, si on n'a pas de mixeur, vous le faites au batteur, il n'y a pas de souci. Très bien. Mais si vous avez le mixeur, vous faites au mixeur. Alors, pour ceux qui, comme Bastien, n'ont pas le temps de voir le live en direct, n'hésitez pas à le re-regarder en replay. Vous pouvez soit aller directement sur notre chaîne YouTube et au passage vous abonner à elle si ce n'est pas déjà fait, ou en partant depuis la recette illustrée pas à pas sur le site, vous avez une petite vignette avec un player pour aller regarder la vidéo après. Voilà. Voilà, donc on obtient un appareil relativement souple en texture. Vous allez voir, quand je vais le verser, il va être même coulant. Et on a la quantité nécessaire pour faire une plaque. Donc, je vous l'ai dit, soit toile silicone, soit papier sulfurisé. Vous faites avec ce que vous avez à la maison. Les deux conviendront. Alors, nous avons une question de Charles-Henri. Est-ce qu'on peut remplacer l'arôme par de l'huile essentielle de citron? Oui, mais attention à la quantité là. L'huile essentielle est quand même assez puissante, donc... vous allez commencer par une goutte, vous allez bien mixer, goûter, et c'est votre palais, votre langue qui va vous dire oui, il y en a assez ou non. Donc, soyez prudent sur le dosage, tout simplement. Voilà, et là, je viens verser donc
ma pâte sur ma toile ou sur mon papier. Vous voyez, ça va vite avec le mixeur parce que tous les éléments se mélangent très rapidement. Il n'y a pas de farine qui reste au fond ou de lait. Tu vois, j'ai vraiment quelque chose de très homogène. Et tu vois, la pâte, elle s'étale très facilement. Donc avec ma palette, après, je viens terminer d'étaler. Alors bien sûr, on va avoir trop de biscuits pour la recette de ce soir. Ce biscuit se congèle facilement. On va prendre ce qu'il nous faut. On va découper 12 petits disques avec un emporte-pièce en 3 cm de diamètre. Et après, le restant, vous le réutilisez. Et vous allez voir, c'est un biscuit donc facile à faire, qui est original parce qu'il a ce petit goût d'huile d'olive. Ce n'est pas courant. Et ça peut être une bonne base de biscuit pour un autre entremets que vous pourriez faire à la maison. Ou un entremets déjà existant, et puis vous remplacez juste le biscuit par celui-ci pour apporter une touche un peu différente. Donc, voilà, je l'étale. J'ai mon four à 180 degrés derrière moi qui est préchauffé. On préchauffe toujours le four, jamais enfourner dans un four froid, sauf si vraiment c'est spécifié sur la recette, mais dans 99,99%, c'est préchauffé. On est sur quelle épaisseur, là, au niveau de la pâte, à peu près? Bon, là, on est sur 3-4 mm. D'accord. Mais tu vois, la quantité qu'on donne dans la recette, dont vous avez la recette sur le site avec les proportions, c'est pour une plaque 40 par 30. Alors, pas tout à fait. 40 par 30, c'est la taille de la plaque. Et tu vois, je ne vais pas jusqu'au bord, donc on est sur 37 par 27, quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais bon, on en a largement assez. Ça ne va pas gonfler plus que ça. On va avoir un biscuit qui va colorer légèrement. Il va rester plat, il ne va pas... Il ne va pas boursoufler, il ne va pas gondoler, il va rester totalement plat. Donc voilà. Allez, j'enfourne. Temps de cuisson entre 12 et 15 minutes. Alors, cette fourchette de durée de cuisson, c'est en fonction de votre four. Donc on commence par 12. Et au bout de 12 minutes, on regarde ce qu'on obtient. Soit on obtient quelque chose de bien et on le sort. Soit il est encore un peu pâle et on le laisse. Une, deux, voire trois minutes de plus. On va poursuivre avec le crémeux. Donc crémeux fruit de la passion. Donc pour cela, je vais utiliser la purée de fruits. Fruits de la passion, donc quatre fruits qu'on propose. Ravi fruits, pardon. Oui. Quatre fruits, c'est... On a eu les deux, c'était avant, ouais. Ravi fruits. Vu Nina. Et donc on va faire chauffer tout doucement cette purée de fruits. Si vous n'avez pas de purée de fruits à la maison, de purée de fruits de la passion, vous pouvez le faire avec du fruit de la passion frais. Il faudra juste le passer au tamis pour enlever les grains. Mais dans chaque fruit de la passion, il y a un petit peu de jus. Alors c'est sûr, il va falloir beaucoup de fruits de la passion pour obtenir cette quantité de jus. Alors est-ce que c'est économiquement rentable? Je ne suis pas sûr. D'accord. Donc... c'est à vous de voir. On pourrait éventuellement remplacer aussi la purée de fruits de la passion par un jus de fruits. Mm-hmm. Alors ça va être relativement sucré, donc choisir le bon jus de fruits, mais un jus de fruits pourrait faire l'affaire. Très bien. Donc on va faire chauffer tout doucement notre... Alors, ah. le four est à chaleur tournante, on n'a pas chez Philippe? Oui. D'accord. Et alors, nos spectateurs sur Twitch et sur YouTube sont très attentifs. On nous dit qu'on a de nouveaux cadres. Quelles sont les maximes? Alors, ça fait un petit moment qu'ils y sont, mais en fait, ce sont, on va dire, nos valeurs à meilleur du chef. Oui, ici, là. Donc, voilà, on a voulu les afficher parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est une entreprise familiale. Engagement et loyauté, efficacité, convivialité, écoute et communication, confiance et bienveillance. Voilà. Voilà pour les grands titres. Voilà. Pour la suite, il faudra venir sur place. Tu peux aller me chercher un bol, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et ça, c'est un trophée YouTube qu'on a gagné il y a quelques années. C'était Gaëtan, à l'époque, qui s'occupait des lives. Et voilà, donc on l'affiche fièrement. Le blanc. Donc, pendant que ma purée de fruits de la passion chauffe, je vais verser, donc... Les ingrédients suivants qui sont des jaunes d'œufs. Alors, est-ce qu'on peut utiliser d'autres purées de fruits, nous demande Milky. Oui, la purée qu'on veut, c'est qu'une question de goût après. Ça, le fonctionnement sera le même.
faut juste que le mariage, on va faire une mousse au chocolat blanc. Donc, mariage du fruit choisi avec la mousse au chocolat blanc, se marie. Mais bon, qu'est-ce qui ne se marie pas avec le chocolat blanc? Il n'y a pas trop de soucis d'inquiétude à avoir. Donc, du jaune d'œuf, de l'œuf entier. On parle en grammes et non pas en pièces d'œuf. Donc, vous, pour l'œuf entier en particulier, vous cassez l'œuf, vous le battez à la fourchette et ensuite vous le pesez avec une balance. On va rajouter le sucre en poudre. Et on va blanchir donc la préparation au fouet. Ensuite, nous avons comme autre ingrédient une masse de gélatine qui a été mise à hydrater au préalable. Il faut compter minimum un quart d'heure d'hydratation, sachant qu'on hydrate la gélatine qui ici est en poudre avec 5 à 6 fois son poids en eau. Donc on a 1 g dans la recette, tu vois, donc on a mis 6 g d'eau. Voilà, c'est vraiment des quantités toutes petites. Et on a du beurre. Donc voilà, lorsque la purée entre à ébullition, je vais venir la verser sur mes œufs. On est un petit peu sur la technique de la crème anglaise, hein, sauf que le lait est remplacé par la purée de fruits. Et lorsque le mélange est bien fait, on remet tout dans la casserole de cuisson de la purée de fruits. Et on va cuire donc ce mélange, ce qu'on appelle à la nappe. Alors à la nappe, c'est une cuisson lente et régulière pour éviter de faire des œufs brouillés. Tu vois, c'est quand même riche en œufs par rapport à la quantité de purée. Parce que la purée, elle est acide, donc si on met trop de purée, déjà, ça va piquer en bouche. Mais il y a beaucoup d'œufs, donc on ne cherche pas à faire une omelette. Donc on y va tout doucement. Tu vois, je suis sur une puissance 2, sur une échelle de 12. Et je préfère prendre mon temps et que la coagulation de l'œuf se fasse progressivement, donc ça va devenir crémeux, plutôt que d'avoir des morceaux qui se forment. Si, malgré tout, à la maison, vous avez des morceaux qui se forment, pas d'inquiétude. Alors, pas des gros morceaux, on ne fait pas des œufs brouillés, mais des tout petits grains qui se forment en fin de cuisson, par exemple. C'est pas très grave parce qu'on va terminer le mélange avec le beurre et la gélatine, mais au mixeur. Donc tous ces petits grains seront éliminés. Donc voilà. Donc quand on mélange, quand on fait une cuisson à la nappe, c'est le terme de la crème anglaise, on mélange en allant partout sur le fond de la casserole. En général, on fait des 8. Bon, les 8, c'est bien pour une casserole un peu plus grande et un peu plus de quantité de préparation. Et tu vois, je passe quand même ma spatule partout et je ne m'arrête pas. Je ne sais pas, je remue, je m'arrête. Non, parce que là, les œufs, ils continuent à chauffer, à monter, tout en sachant que l'œuf coagule à 86 degrés. Donc, si vous le faites avec un thermomètre, l'idéal est de s'arrêter à 82 degrés. Donc, c'est un petit peu comme quand on cuit un sucre pour faire une meringue italienne, par exemple, où on demande de monter à 121, mais en fait on s'arrête à 118. D'accord. Sur le temps qu'on s'arrête, que le sucre débule et tout, que la température continue à progresser, et bien là c'est pareil. Donc on s'arrête à 82 degrés. Voilà, je le fais sans thermomètre parce que j'ai un peu l'habitude, donc je me rends compte au coup d'œil si la cuisson est bien. Les petits indices pour savoir si la cuisson se passe bien, c'est l'écume qu'il y a au-dessus, tu vois, il y a une petite écume très légère. Tant que l'écume est présente, la cuisson n'est pas bonne. Une fois que la cuisson arrive au bon stade, cette écume disparaît. Parce qu'en fait, la masse s'épaissit très légèrement, donc l'écume n'a plus lieu d'être là. C'est un phénomène normal. Alors, on a une petite question de Pascal. Crème anglaise, c'est du jaune uniquement. Donc, en mettant du blanc dans cette recette, qu'est-ce que cela apporte de plus? Ah oui, non, mais oui... Dans la crème anglaise, oui, c'est que du jaune, mais on ne va pas parler de différencier le jaune du blanc. Là, on met de l'œuf, du sucre et de la purée de fruits. Dans la crème anglaise, on met du jaune d'œuf, mais on va parler on va être plus généraliste, on va dire. On met de l'œuf, et non pas que du jaune d'œuf ou que de l'œuf entier. On va mettre du sucre et du lait. Donc voilà, on reste sur cette base-là.
c'est des ingrédients qui rentrent dans la composition qui sont similaires. Après, qu'est-ce que ça va apporter de plus? C'est juste une question de texture. Très bien, merci chef. La crème anglaise a besoin d'être riche en jaune d'œuf. C'est pour le goût, parce que la crème anglaise se déguste souvent comme ceci, nature. En fait, sans transformation, tu vois, l'écume, elle n'y est plus. Ouais. Sans transformation autre. Et tandis que là, le crémeux, ben, il va y avoir une transformation, étant donné qu'on va y rajouter et du beurre et de la gélatine. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est encore liquide, bien sûr, hein, mais c'est quand même, ça nappe la spatule, vous voyez? Voilà, et on n'a pas de morceaux. On va rajouter la masse de gélatine. Alors, bien qu'elle soit très petite, il ne faut pas l'oublier. Parce que sinon, ben, le cœur va être coulant. Et on pourrait se dire, ah chouette, le cœur sera coulant, ça peut être sympa. Oui. En fait, entre mes, ça ne tiendra pas tout court. D'accord. Parce qu'un cœur coulant et un contour mousse chocolat blanc qui ne va pas être très, très épais, ben, au bout du compte, le cœur coulant, il va faire pression sur les parois de l'œuf. Et ça risque de soit de s'éventrer et soit de s'écrouler. Donc, on n'oublie pas la gélatine. 1 gramme, c'est pas beaucoup, mais c'est nécessaire. Ensuite, on va donc transvaser tout ça dans un pichet ou tout autre récipient étroit et haut. Ça, c'est pour pouvoir le mixer facilement avec un mixeur plongeant. Toi, dans la casserole, j'aurais pu rajouter mon beurre et mixer, mais la casserole est un poil trop large. En fait, j'aurais pas pu tremper la cloche de mon mixeur jusqu'au fond. Enfin, jusqu'au fond, oui, mais pas, ça n'aurait pas mixé comme il faut. Donc, j'aime bien mettre dans un verre doseur, ou comme ceci, il y en a même des plus étroits, ça dépend des quantités qu'on fait. Et là, on est sûr d'avoir un mélange qui se fait bien. Je rajoute mon beurre. Alors, des fois, on laisse refroidir un petit peu la base de notre crémeux. Moi, je mets tout dès le départ. Et c'est en fait le mixeur qui va incorporer ce beurre dans le crémeux. Est-ce qu'on peut utiliser du chocolat noir à la place? À la place de... Oui, du chocolat blanc, je pense. C'est une question de goût. Après, voilà, c'est comme pour la purée de fruits, finalement. Tant que vous faites un accord qui va entre l'insert et la mousse... Les proportions seront quand même un petit peu différentes, ouais. Parce que là, on a une masse de gélatine pour faire tenir notre mousse. Avec une mousse chocolat noir, on pourrait se passer de masse de gélatine ou alors en mettre beaucoup moins. Donc ça dépend du pourcentage de beurre de cacao et tout et tout. Donc ça, vous pouvez prendre une recette de mousse au chocolat noir que vous trouverez sur le site, la mousse spéciale entre mets qui marche très bien, ouais. et l'adapter éventuellement. Là, on n'a pas de gélatine du tout dans cette recette-là. Voilà, je mixe bien. Alors en mixant, j'incorpore mon beurre, je broie les éventuels petits morceaux d'œufs qui auraient coagulé. J'incorpore ma gélatine, comme ça je sais qu'elle est répartie de façon équitable dans toute la préparation. Et j'obtiens donc mon crémeux. Alors ce crémeux, on va le mouler dans notre moule Microstone. Je vous montrais que l'emballage tout à l'heure, donc c'est ceci. Un Microstone, en français c'est petite pierre hein, en fait. Micro-pierre. Oui, micro-pierre. Voilà. Petite pierre. Petite pierre, voilà. Donc, on n'en a besoin que de 12, vu qu'on fait 12 œufs. Mais c'est compliqué de faire une quantité inférieure à ce qu'on a fait ce soir. Donc, on va faire une plaque. Donc, on est à 12 minutes. J'ai le biscuit qui est pas mal. Donc, au bout de 12 minutes dans mon four, c'est parfait. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Il est clair, mais on ne va pas le faire trop cuire non plus pour ne pas qu'il devienne cassant et sec. D'accord. Voilà. Et on va le laisser refroidir. Par contre, on va le mettre sur une grille. Sur une grille, parce que la plaque, elle est bouillante, elle est à 180 degrés, donc la cuisson continue malgré tout. Et là, le fait de le transférer sur une grille, ben, on a l'air qui passe dessous et il va refroidir beaucoup plus facilement.
Alors, vous disiez que du coup, on va préparer plus d'inserts finalement que d'entremets. On peut les garder au congélateur et pas tous les utiliser pour la préparation. On peut les garder au congélateur, on peut s'en servir pour faire d'autres entremets de Pâques ou d'autres desserts. On peut imaginer une verrine avec une mousse, des petits inserts par-ci par-là et plantés dans la mousse. Après, quand on déguste, on tombe dessus et c'est la surprise. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais rien ne se jette. Alors, je vais vous poser la question en direct parce qu'on nous l'a posée cet après-midi et il y a quelqu'un qui nous pose aussi la question maintenant. Est-ce qu'on peut utiliser ce moule pour faire les rochers de la semaine dernière et inversement? Oui. Alors, on peut. Vos rochers vont être un petit peu plus gros que ceux de la semaine dernière. Parce que le moule de la semaine dernière faisait 2,2 cm. C'était le moule truffle. Oui, voilà, de mémoire, c'était dans 22 mm. Là, on va être sur... On va essayer de... Je n'ai pas une règle très précise, mais on va avoir une estimation. Je suis sur du... Si je vais sur les parois, je suis sur du 2,5. Et ça va être... Ça va être pratiquement kiff-kiff. Donc oui, ça pourrait être un moule qui pourrait être utilisé. Et pour la recette de la semaine dernière, et pour la recette de ce soir. Très bien. Bon, il fallait bien choisir des moules, donc je n'ai pas fait ce calcul-là au moment où j'ai fait les recettes. Mais pour optimiser, c'est une bonne idée. Voilà, et ensuite, je n'ai plus qu'à verser. Alors, deux solutions. Soit je verse comme ceci, mais comme c'est un peu épais, je risque d'en mettre un peu partout. Donc, la poche pâtissière va nous permettre de faire un travail beaucoup plus soigneux. Moi, personnellement, je préfère. Avec un tout petit trou au bout, ainsi on va pouvoir régler le débit, faire en sorte que la préparation coule lentement. C'est la pression de la main en fait qui va jouer. Et on ne va pas en mettre partout surtout, parce que quand on commence à en mettre partout sur les bords, au bout du compte, quand la plaque elle est pleine, c'est pas très propre. Alors quand on est à la maison, ça va, personne ne le voit. Mais là, ce soir, tout le monde le voit. Comme on ne vous cache rien. Donc, c'est à vous de faire comme vous préférez. Je ne veux pas vous pousser à la consommation de poches pâtissières, parce que c'est sûr, c'est jetable. Donc, allez, une poche d'utiliser pour remplir ça, alors qu'on pourrait le verser. C'est chacun voit selon son envie, son appréciation. Voilà, donc je te disais, on fait un tout petit trou. Et là, je viens vraiment. Toi, je remplis. Et je peux m'arrêter à ras. Sinon, avec le pichet verseur, vous remplissez. Et avec la spatule, vous lissez la surface et ensuite un papier film comme ça voilà. Alors ces inserts peuvent se faire à l'avance également, même on les a fait en seconde position ce soir après le biscuit, mais on pourrait même commencer par l'insert, garder l'insert au congélateur voire plusieurs jours. Et le biscuit, on le fait le jour J, le jour où on va monter en fait les œufs. Alors pour ceux qui aiment le citron, ça pourrait faire aussi un bon insert au citron. On serait un peu sur la même couleur. Alors ce soir, on a un peu de monde qui nous regarde aussi sur Twitch et sur YouTube. Donc on a des personnes qui nous écrivent de Saint-Gaudens. On a aussi des gens qui nous regardent depuis la Bulgarie. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, mais du coup, voilà, comme d'habitude, le petit tour du monde. Saint-Gaudens, c'est pas très loin. Non, c'est pas très très loin. Donc voilà, c'est le petit tour des téléspectateurs. Tu vois, pile, disons. La poche est vide, j'ai rempli toutes les cavités. Donc, si vous faites sans la poche, on fait un petit coup de spatule à la fin. Voilà, vraiment pour avoir quelque chose de hyper lisse.
Et ensuite, un papier film toujours pour protéger le produit. On respecte le produit, le froid va l'agresser lorsqu'il sera dans le congélateur. Donc s'il n'y a pas de protection, ben, ça va faire une croûte, une peau, une pellicule qui va être, ouais. Et si ça reste longtemps dans le congélateur, n'en parlons pas, ça va être une peau même dure, tu vois. Donc ça ne va pas être terrible. Donc je vais te donner ça, tu le mets, bon, tu le laisses là pour l'instant, parce que le congélateur il est bien chargé. Tu peux le laisser là, ou tu le mets dans le frigo sinon. Dans le frigo? En attendant, et puis on le mettra dans le congélateur après. Voilà, on va passer à la suite. Donc la suite, ça va être notre mousse au chocolat blanc. Donc pour cela, il nous faut du chocolat blanc. Ici, c'est le chocolat de chez Valrhona. Il nous faut de la crème. On a deux pesées de crème. Cette première pesée qui est petite, qui va nous permettre de faire fondre le chocolat. Et ensuite, on rajoutera une seconde pesée de crème qui, elle, est dans le frigo et qui sera montée donc, en crème fouettée. Crème fouettée souple, mais on y reviendra sur le moment, de façon à avoir un appareil souple qui va bien venir remplir les cavités. Si on a un appareil trop ferme, on va avoir plein de traces de remplissage et ça ne va pas venir bien épouser les parois. Donc, on va faire attention à ça. La masse de gélatine, c'est toujours pareil, on l'a faite un petit peu à l'avance. Toujours dosée avec 5 à 6 fois son poids en eau. Donc là, c'est 5 fois, il me semble, sur la recette. Vous regardez la recette. Si vous mettez 6 fois, ce n'est pas très gênant. Et on a de la fève tadoka, à ne pas confondre avec la fève tonka. Oui. La fève tadoka qui est de la vanille, en fait, sous forme de fève qui est emprisonnée dans du beurre de cacao. Et cette fève, en fait, en chauffant, elle va se dissoudre. Donc, je vais la mettre d'ores et déjà ici dans la crème pour qu'elle se dissout. Et elle va donc diffuser son parfum. Donc, ça remplace la gousse de vanille. Ouais. Si on n'a pas de fève tadoka, on fait de la gousse de vanille, de la poudre de vanille, de l'extrait de vanille. On fait avec ce qu'on a. On a à la maison. Ce n'est pas ça qui va changer la recette. Alors, je fais chauffer ma crème. On va chercher à atteindre l'ébullition. Et pendant ce temps, je fais chauffer mon chocolat au four micro-ondes pour amorcer la fonte. Dans le chocolat, toujours pareil, qu'on soit sur du tempérage ou pas, dès qu'on fait fondre, c'est toujours par 20-30 secondes les temps de fonte. Oui. On mélange et on remet dans le four. Tout ça pour éviter de brûler notre chocolat, qui est un produit déjà cher à la base, donc si en plus on le gaspille, c'est pas terrible. Vous voyez, la fève commence à fondre et à se dissoudre dans la crème. La grosse masse de crème, elle reste au frais jusqu'au dernier moment. Voilà, mon chocolat commence à fondre. Je mélange et je remets. Donc on vous parle souvent de la fève tadoka parce que ça fait partie des nouveautés qu'on a découvert cette année. Et du coup, vu que c'est sous forme de pistole, ça se conserve très bien. On peut la couper en 4, en 6. Donc, vous mettez vraiment le dosage que vous voulez. Ça a tendance à noircir les préparations au départ. Mais après, quand la préparation est terminée, n'aie pas peur. La coloration redevient normale. Ça peut être un petit peu perturbant au début. On se dit, wow, je fais un truc qui va être de couleur claire. Oui. Je mets ma fève tadoka dedans et dès que je l'ai mise, ça assombrit, ça apporte une touche de noir en fait. Et ça dépend également de la quantité qu'on en met. Mais en fait, quand on termine la préparation en rajoutant une crème fouettée comme ça, on revient sur une couleur qui est tout à fait classique. Donc, pas de souci. Voilà, le chocolat est quasiment fondu. Il reste encore des petites pistoles entières, mais on a fondu bien 70% de la masse. Je t'ai coupé, oui. Oui, alors on a Estelle qui nous dit pourquoi ne pas dissoudre la gélatine dans de l'eau tiède. Alors, donc là, on a utilisé de la gélatine en poudre. Par contre, si vous utilisez de la gélatine en feuilles, on la met dans de l'eau froide aussi. On la met dans de l'eau froide, pas tiède. Oui, pas tiède. Froide. Froide pour la ramollir, l'hydrater en fait. Hein. C'est le même principe. La gélatine en poudre et la gélatine en feuille, c'est deux produits identiques, sauf que un est en feuille et l'autre est en poudre. Mais le produit en lui-même, c'est la même chose. Oui.
Ce qu'il faut respecter, c'est le bloom. Le bloom, c'est le pouvoir gélifiant de la gélatine. Là, on est sur du 200-210 bloom, qui donne donc un pouvoir gélifiant suffisant. Si on est sur du 150 bloom, par exemple, il faudra en mettre plus. Et si on est sur du plus de 200 bloom, il faudra en mettre moins. Il y a juste une règle de 3 à faire, c'est facile à calculer. Ça, on peut le trouver sur Internet assez facilement pour faire la conversion et vraiment obtenir une gélification idéale. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes des gélatines avec tous les blooms. On les nomme aussi avec des couleurs. Des couleurs, il y a argent, or, bronze. Oui. Voilà. Chaque couleur correspond à un bloom. Donc ça dépend de ce que vous avez, mais vous pouvez faire la conversion et obtenir vraiment le même résultat. C'est juste qu'il faut mettre un peu plus de gélatine ou un peu moins selon ce que vous avez. Donc là, tu vois, ma crème, elle a chauffé. Je vais profiter de la chaleur de ma crème pour faire fondre déjà ma masse de gélatine que je vais décoller. Ça me fait une petite galette là, que je décolle. Je viens l'intégrer pour déjà faire dissoudre cette masse de gélatine. Je remets un peu sur le feu parce qu'il va falloir que ce soit bien chaud quand j'ai versé sur le chocolat. Et ensuite, je vais verser donc cette crème chaude sur mon chocolat. Voilà, et je ne vais pas remuer, je ne cherche pas à remuer de suite. Je cherche juste à laisser le chocolat immergé dans cette crème. De façon à, je peux secouer un petit peu, toi, pour que vraiment les pistoles elles aillent dessous, pour l'aider à continuer la fonte. La fonte, on l'a amorcée dans le four. On aurait pu éventuellement garder les pistoles non fondues. Et là, c'est la crème chaude qui aurait amorcé la fonte. Mais il y a un risque que le refroidissement soit trop rapide et qu'on se retrouve avec des morceaux de chocolat. C'est pour ça qu'on fait une pré-fonte dans le four micro-ondes. Très bien. Sans aller jusqu'à une fonte totale, parce que par la suite, la fonte se fait jusqu'au bout avec la crème chaude. Et ensuite, au bout d'une minute environ de pause, on mélange. On mélange par le centre, tout doucement. Donc là, on voit bien hein, du coup que l'appareil s'est assombri et oui. On voit bien tous les petits points de vanille. Donc, oui, on voit que c'est bien sombre en effet. Et ça, c'est la fève d'avocat qui a donné cette couleur et qui peut nous paraître vraiment très sombre, voire ça ne va pas être très joli une fois fini. Mais dès qu'on va rajouter la crème fouettée, on va revenir sur une couleur qui est tout à fait standard et qui va passer très bien. Alors, est-ce que les fèves de Tadoka sont moins chères que les gousses? Oui, ça revient moins cher, oui. Ouais. D'où l'intérêt, et puis ça se conserve très bien. Ouais. Alors, sur les sites, vous les avez en petit format qu'on reconditionne. Mmh. Donc, il y a un nombre de fèves, de pistoles. Je crois qu'il y a 4 fèves, voilà. 4 ou 5 fèves par petit pot. Si vous voulez vérifier, du coup, c'est vrai que Clément vous met les liens des produits dans la barre du chat, donc n'hésitez pas à aller voir. Sinon, Tadoka, vous l'écrivez T-A-D-A-D-O-K. Voilà. Et c'est un produit qui est vendu par Valrhona. Oui. Donc, c'est un produit. Rien que par le nom de Valrhona, ouais. C'est un produit de qualité. Mais de base, ça faisait partie des produits professionnels. Donc, on a beaucoup bataillé avec Sandra aussi aux achats qui a eu un coup de cœur sur ce produit, qui a voulu vous le partager. Donc, voilà, c'est vraiment un produit pro. Et puis, alors nous, c'est vrai qu'on l'utilise pour ça, mais pour des recettes même plus simples, en le dosant un peu plus faiblement, une crème brûlée, des crèmes dessert, enfin, ça se prête vraiment à toutes les préparations dans lesquelles vous pouvez utiliser de la vanille habituellement. Voilà. Alors, tu parles de Sandra, ta collègue directe, parce que vous travaillez ensemble. Oui. Elle travaille avec moi, mais elle travaille aussi avec Sandra. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la découvrir dans une vidéo, parce qu'elle a fait une vidéo avec moi il y a quelques années. Oui. Alors, j'étais beaucoup plus jeune, beaucoup plus beau, mais... C'est la vidéo de la pâte feuilletée, donc cherchez sur le site et vous allez pouvoir voir comment réaliser une pâte feuilletée et voir Sandra également à mes côtés. Mais pour tous ceux qui ont acheté d'ailleurs le livre de recettes de Chef Philippe, dedans, vous avez une photo de famille de l'équipe meilleure du chef et du coup, on y est tous. Donc, non, il n'y a pas tout le monde, il y avait des absences ce jour-là. Oui, après il y a des petits nouveaux qui nous ont rejoints. Mais oui. Du coup, voilà, ça vous permet d'avoir une photo de famille de qui sont les personnes qui travaillent. Il y avait des absents pour maladie, pour... je ne sais plus trop, mais on n'est pas tous. Mais on est quand même une bonne partie. Ouais.
90% de qui sont personnel, oui. Voilà, donc je continue à mélanger pendant que Nina papote. Oui. Mais bon, c'est toujours agréable de t'écouter. Le mélange, il est bien lisse. Là, je ne vais pas mixer, ça ne sert à rien. D'accord. Je vais juste attendre que ça refroidisse un petit peu. Donc, je vais vérifier la température de façon à ce que, voilà, on est à 37 degrés, c'est quand même chaud pour ajouter une crème fouettée. Donc, je vais continuer de mélanger ou je vais te le faire mélanger à côté de moi pendant que je vais préparer mon biscuit. D'accord. Alors, le biscuit, il est encore un petit peu chaud. Alors, j'en ai un petit peu derrière moi là, que j'ai fait plus tôt dans la journée. C'est un reste de biscuit. Je vais me servir du biscuit qui est bien froid pour réaliser donc nos entremets ce soir. Donc, c'est le même biscuit qui a été démoulé. Je vais vous montrer comment on le démoule tout à l'heure. Et là, je vais prendre un petit emporte-pièce de diamètre 30, donc 30 mm bien sûr, hein, 3 cm. C'est un diamètre légèrement plus grand que l'ouverture du moule ici. Mais je vous rappelle, il faut une base à ces œufs pour qu'ils tiennent debout. Si on fait le diamètre en fait, du trou là, il fait 25, 2,5. Si on fait une ouverture à 2,5, ben l'œuf, il faut le transporter, il faut le mettre dans le frigo, il faut sortir le frigo, il faut l'amener ici, il faut le servir à table. Si tout se casse à la figure durant le transport, c'est dommage. Ou durant la décongélation, c'est dommage. Donc, 30 mm, c'est le diamètre minimum à avoir pour une bonne stabilité. Un biscuit également bien plat, bien régulier, en épaisseur, c'est important aussi pour avoir une bonne stabilité. Donc on va découper, on a 12 empreintes, donc on va découper 12 petits disques. Tu mélanges ? Oui, je ne cesse de remuer. Voilà, donc avec l'emporte-pièce. Donc c'est vraiment pour éviter que ce soit trop bancal du coup quand on va bouger l'entremets. Oui, oui. Ben ça fait la base de notre entremets, c'est un entremets. Donc il y a une base, il y a un biscuit au fond, comme dans beaucoup d'entremets. Mais il faut que... Après le restant c'est que de la mousse et un crémeux. Donc il faut que ce soit stable. Donc 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. Donc je rappelle, diamètre 3 cm ou 30 mm, c'est pareil. Et on en a un peu plus si nécessaire. S'il y a un biscuit qui se casse, on peut toujours s'en servir. Alors on va vérifier la température, on va voir si tu as bien remué tout ça. J'ai fait de mon mieux. on est descendu à 30, c'est très bien. Ah bah voilà, sans le voir. Non, mais c'est bon, c'est toi, c'est plus du tout tiède, c'est à température ambiante. Donc, le temps de monter notre crème fleurette, crème liquide, c'est la même chose, en crème fouettée, ben, ça sera parfait. Alors, tu vas aller me chercher, s'il te plaît, la crème qui est dans la cuve, dans le frigo. Voilà, donc on va monter cette crème, donc crème entière. Crème entière, c'est une crème qui a 30%, voire 35% de matière grasse. Vous regardez bien les indications de l'emballage. N'achetez pas une crème allégée, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Au pire, si vous n'en trouvez pas, vous en trouverez sur la boutique en briques de 1 litre. Et d'ailleurs, les retours sont très bons. Oui. La crème foisonne très très bien, les gens sont contents. Mais sinon, on trouve ça... en supermarché, au rayon beurre, au rayon frais. Donc, il n'y a pas de souci, normalement. Donc, vu que j'ai très peu de crème, je vais dégrafer mon fouet. Et je vais pouvoir mieux brasser ma crème. Et dès qu'elle va commencer à foisonner, c'est-à-dire à prendre un petit peu de volume et un petit peu de corps, je vais la stopper. D'accord. Je ne la monte pas jusqu'à une chantilly. Je ne cherche pas à faire un dressage avec une poche, avec une bouillie cannelée, enfin une grosse rosace. Ça, c'est sur les gâteaux, c'est la finition, c'est pas ça qu'on fait. Là, on fait une crème qui va venir dans la composition
de ma mousse au chocolat blanc. Et je veux, pour avoir un remplissage parfait de mes empreintes, quelque chose qui soit souple. C'est pas parce que c'est souple que ça ne va pas tenir. On se fait souvent cette idée-là, oui. Et on se dit « Oh là là, mais ça va jamais tenir ». Mais si la gélatine n'a pas été oubliée, ça va tenir. Déjà, le chocolat, il va cristalliser, il va figer. Donc, ça va donner du corps à la mousse. Ensuite, il y a la gélatine qui sert de ciment, en fait, hein, qui va faire tenir le tout. Mais c'est pas parce que c'est souple que c'est fragile. Et ça sera même plus fondant en bouche. Du coup, ça évite vraiment les surprises qu'on peut avoir en démoulage sur certains moules où il y a beaucoup de relief ou comme ça. Ouais. Moi, j'ai appris ça avec d'autres chefs. Hein. J'avais toujours tendance à monter aussi ma crème beaucoup trop fermement. Et des fois, la crème avec le froid, le côté gélatine qu'il y a dans la masse de base, tu rajoutes une crème montée qui est froide parce qu'elle sort du frigo. Donc la gélatine a une réaction qui se fait et la masse devient de suite compacte. Et toi, tu es en train de monter ton entremets. Donc c'est déjà trop ferme, toi. Donc apprenez à retenir ces petites astuces qui sont toutes bêtes, mais qui changent carrément tout. Alors là, vous êtes en train de battre à quelle vitesse, chef ? Là, je suis à vitesse 4, 3-4. Je suis même pas à vitesse maximum, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme même quand on monte des blancs en neige, on a toujours tendance à mettre la vitesse maximum. Ça ne sert absolument à rien. Alors bien sûr, on ne va pas battre à vitesse 1, mais on reste sur un delta moyen. Et du coup, il y avait Maïté qui nous disait qu'elle avait pris son robot KitchenAid de chez nous il n'y a pas très longtemps et qu'elle en était super contente. Donc voilà. On est content pour vous, Maïté, c'est super. Je suis pas inquiet. Non, c'est de bons robots. De bons robots, oui. Donc, tu vois, on commence à voir les traces des fils du fouet qui restent imprimées sur la crème. Alors, quand on a une vue de dessus à la caméra, on ne se rend pas trop compte parce qu'il y a ce bloc moteur qui cache un petit peu les choses. Mais je vais vous montrer à la caméra lorsque ça sera terminé. Alors, c'est pas parce qu'on voit les stries du fouet que ça y est, on arrête. Hein. Il y a quand même... Oui. On va pas trop loin, mais on va pas non plus trop bas. Voilà. Donc on va pouvoir s'arrêter. On est sur une crème semi-foisonnée, on va dire. Et je vais juste vous montrer la texture que ça a. Vous voyez, ça coule de mon fouet, c'est souple. Hein. La crème ne reste pas accrochée au bout de mon fouet en faisant un gros bloc. Voilà. Et si je penche ma cuve, ça coule. Voilà. Il ne faut pas faire comme avec les blancs en neige sur la tête, tu sais. Laisser. Voyons si le blanc en neige sont bien montés. Après, c'est un test pour la confiance, mais, mais bon. C'est un shampoing à la crème liquide. Après, tu as intérêt à bien savonner pour enlever le côté gras. Donc là, on a notre mélange qui a refroidi, qui est à 28 degrés maintenant, c'est parfait. Donc il est à température ambiante. On va rajouter une partie de la crème. Voilà, je vais mélanger rapidement. Alors, vous pouvez expliquer du coup pourquoi vous le faites en deux temps Alors, je fais un pré-mélange en fait. C'est pour ramener la température de la masse au chocolat blanc qui sera assez proche de cette masse de crème fouettée. Et si la masse avait été plus épaisse, ça me permet de la détendre bien comme il faut. Là, je peux mélanger, tu vois, assez rapidement. Je pourrais même le faire au fouet. Ça ne serait pas gênant. Et ensuite, la seconde masse, c'est environ un tiers, deux tiers. Dans les deux tiers restants, je les rajoute maintenant. Et là, je vais les mélanger beaucoup plus délicatement pour garder ce côté mousseux. Parce que si je mélange trop rapidement, surtout si je mets un fouet, si je prends un fouet, je vais enlever beaucoup de petites bulles d'air qui se sont créées durant le foisonnement de la crème. Et je vais perdre ce côté mousseux. Le côté mousseux qui se crée en fait lorsque la gélification se fait dans le frigo. Là, c'est pas mousseux, c'est crémeux. D'accord. Mais une fois que ça a pris dans le frigo,
C'est là qu'on, que ce côté mousseux se développe. Voilà, donc je mélange rapidement. Parce que j'ai mis un truc, une préparation froide dans une masse gélifiée. Oui. Donc ma gélatine, elle va agir, tu vois. Il ne faut pas que je traîne non plus. C'est bien de parler, mais on va se faire piéger. Voilà, je vais prendre une poche pâtissière. Tu vas pouvoir aller me chercher les petits inserts. Donc je l'ai préparé au préalable. J'en avais fait plutôt dans la journée. J'en ai utilisé quelques-uns pour les œufs qui sont déjà prêts, qu'on sortira plus tard, mais il m'en reste. Donc pas de douille, c'est pas la peine. Là, on fait juste du remplissage, donc on cherche pas à faire un décor. On a une préparation qui est souple, qui coule bien. Merci. De rien. Et tu vois la couleur de ma mousse, oui, clair, la mousse au chocolat blanc, la couleur, ben, elle est claire, hein, malgré la feta d'oca qui avait quand même bien assombri la base au départ. Mais ça se voyait, au départ, quand on avait fait la première recette avec la feta d'oca, je crois que c'était la recette de Saint-Honoré, vous savez, avec le moule Cédric Grolet. Oui. Et au départ, on avait vraiment une couleur très foncée, et au démoulage, c'était très... Je m'étais dit, ça va être très, très gris, ça fait une chantilly, c'était à base d'une... Oui. C'est pas une chantilly, mais c'est une ganache montée. Et ça va être grise, mais en fait, non. Une fois que le mélange est fait, tout est bien. Ce moule. Est-ce qu'on peut la faire avec du chocolat au lait, donc cette mousse-là? Oui, bien sûr. Il faut juste adapter, encore une fois, la quantité de gélatine. Ce moule, qui est un peu bancal. Du fait de la forme des empreintes. On va d'abord, première chose, bien le mettre à plat. Donc, bien regarder, bien s'assurer que ce soit à la verticale. Parce que on peut vite... Regarde-toi, celui-là, il n'est pas droit. On le redresse un petit peu. De façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. On va travailler vite pour ne pas que ça dégèle ici. Voilà, et je vais remplir dans la cavité au moins jusqu'aux trois quarts. D'une traite, je presse assez fortement sur la poche, de façon à ce que ça se remplisse par le fond et que ça vienne bien englober les parois, tu vois. Oui. Donc, ça, j'ai pas besoin de passer la spatule à venir frotter. Oui, ça va faire un effet de pression comme c'est ça. Okay. Parce que si je remplis en y allant tout doucement, même si je remplis trop, là, tu vois, j'en ai mis beaucoup, c'est pas très grave. Avec une cuillère, je vais en retirer un petit peu. Mais si on met trop de temps... Ben, c'est là qu'on va voir les différents étages, parce qu'on a fait trois pressions, donc il y aura trois crans, tu vois. Et ça va se voir après au démoulage. Là aussi, en quantité de mousse, on a juste la quantité nécessaire pour faire nos 12 entremets. On n'est pas obligé de les démouler les 12... En même temps, hein, vous en démoulez un jour, vous êtes 6 à table, vous en faites 6, les 6 autres ils restent au congélateur, et puis vous les ferez une autre fois. Tout à fait. Ensuite, on va démouler donc nos petits inserts. Voilà, ça se dégivre vite. Donc, tant que c'est givré, on peut les sortir facilement. Donc toujours ressortir au dernier moment, si vous avez de l'aide à la maison, pendant qu'un il fait ça, vous dites à la personne qui vous accompagne, tiens, sors-moi les inserts du congélateur, je vais en avoir besoin dans 2 minutes. Et vous ne les sortez pas un quart d'heure avant, parce que sinon ça va poser un problème. Et dès que vous avez pris vos 12 inserts, vous les remettez dans 2, 4, 6, 8, 10, 11... Vous les remettez dans le congélateur. Hop. Voilà. Et là, je viens donc positionner mon insert et je l'enfonce avec le doigt de façon à ce qu'il se retrouve au milieu. Dans celui-là. Ramène-moi une cuillère à café, s'il te plaît.
Voilà, à la maison, vous essayez d'aller vite. Ce soir, on traîne un petit peu, on discute. Donc, on ne va pas très très vite. Merci. Je vais en enlever un peu là parce que, toi, ça me... Vous avez été trop si j'enfonce mon doigt dedans, ça va sortir de partout. Voilà. Voilà, on veille à ce que l'insert soit quand même centré, qu'il ne touche pas une bordure. Parce que quand on va couper l'œuf, en fait, ça va nous faire l'impression de couper un œuf dur. On va avoir le blanc tout autour et le jaune au centre. Il y aura la douceur du chocolat blanc et le peps de la passion. La dégustation, c'est pour ça que l'insert est petit, parce que c'est puissant. Ouais. On aurait pu mettre un insert plus gros. Après, si vous aimez vraiment l'acidité du fruit de la passion, vous pouvez imaginer de prendre un moule qui va vous faire un insert un poil plus gros. Et ainsi, vous aurez un cœur plus présent. Et ensuite, on vient donc combler presque jusqu'au bord. Je rentre carrément le bout de la poche, tu vois, dans l'empreinte, de façon à ce que ça vienne bien remplir les côtés. Et je préfère là qu'il y en ait un peu trop et que ça déborde lorsque je vais venir obturer avec mon biscuit, plutôt que d'avoir une cavité qui n'est pas assez remplie. Alors le biscuit fait quand même... il n'est pas tout fin, hein. Donc il faut qu'il y ait assez de place pour pouvoir le caser. Alors, je vous disais que l'orifice de mon œuf faisait 25 mm et que mon disque de biscuit faisait 30 mm. Alors maintenant, je vais l'insérer avec la lame du couteau. Je vais, alors bien sûr, en faisant attention de ne pas abîmer le moule, je vais écarter un petit peu le silicone de façon à ce que mon disque de biscuit rentre. Tu vois ? Si j'avais coupé des disques de 25 mm, ça serait rentré tout seul. Et mais on aurait eu des œufs pas stables. Ouais. Et là, on va avoir des œufs beaucoup plus stables. Parce que si on regarde, en fait, le rond, il ne rentre pas. Donc, je le fais rentrer un peu en force. Et avec le couteau, j'écarte et je presse. Voilà, et s'il y a un peu de mousse qui sort sur le côté, c'est pas grave. Pour la suite, il va falloir être très attentif. Il va falloir avoir un congélateur qui refroidisse bien à la maison. Ça, c'est pour le démoulage. Et je vous conseille de faire le démoulage 3 par 3 ou 6 par 6 et non pas les 12 d'un coup. Déjà, pour le démoulage, il est un petit peu difficile parce que l'orifice qui fait 25 mm de diamètre, c'est un peu comme un accouchement en fait. Il faut faire passer l'œuf qui fait un diamètre certain dans un petit trou. Donc il faut vraiment extraire. Ce n'est pas une cavité qui est avec des parois bien droites et des angles droits où tu sors et le passage est le même partout. Là, il faut sortir quelque chose de large par un trou qui est étroit. Donc il va falloir que l'entremets soit vraiment bien bien gelé à cœur. Ça, c'est très important pour le sortir correctement. Et pour éviter qu'il ne dégèle trop vite, vous les faites 3 par 3 à la maison. Donc ça veut dire que vous en démoulez 3, une fois que ça sera gelé bien sûr, que vous remettez les 6 autres, les 9 autres dans le congélateur et que vous terminez les 3. Et ensuite, ainsi de suite, si vous êtes 6 à table, vous en faites 3 de plus par la suite, mais pas tout d'un coup. Si vous avez un congélateur qui a une fonction booster, c'est le cas ici, j'en ai un. Bon, j'ai une cellule de refroidissement, mais je me mets quand même dans votre situation à la maison. Je sais bien que vous n'avez pas de cellule de refroidissement à la maison. Donc, si vous avez la fonction booster, vous l'activez, ça vous fait gagner quelques degrés, en négatif bien sûr, de façon à avoir une gélification qui saisisse bien l'entremets. Vous gardez le booster jusqu'au moment du démoulage. Alors, si l'entremets passe 15 jours dans le congélateur, vous n'allez pas mettre le booster pendant 15 jours. Vous avez votre congélateur à température normale. Et la veille, vous mettez le booster parce que demain, vous allez les démouler. Et vous avez prévu de les servir à vos convives. Voilà, j'introduis bien.
Voilà, comme ceci. Alors là, c'est pas encore terminé. Je vous montre, c'est à l'état brut. Et là, ce que je vais faire, c'est enlever donc avec un petit papier absorbant. Je vais essuyer le pourtour. Alors là, je le fais propre parce qu'on est devant la caméra. À la maison, en fait, avec le doigt, si vous avez les mains propres. Voilà, on nettoie le bord. Comme ça. S'il y a un peu de mousse qui a débordé en introduisant donc le biscuit. Et il y a des biscuits qui ne sont pas très droits. Donc je vais te montrer une petite technique que j'ai mise au point cet après-midi. Même ça, je ne l'explique pas dans la recette illustrée, tu vois, parce que c'est des petites choses que j'améliore au fur et à mesure. Je vais couvrir donc mon moule. Je vais prendre une plaque. Je vais venir poser et je vais carrément retourner le tout. Alors on le fait délicatement, c'est pas le moment de tout faire tomber. Et là, tu vois, je fais comme ceci, de façon à bien stabiliser le biscuit à plat et avoir quelque chose qui va être bien, bien stable. C'est important pour ce genre d'entremets. On commence déjà à se rendre compte un petit peu de la forme que ça va avoir. Il faut que ce soit stable. Si en dégelant, parce que c'est un peu bancal, l'œuf il bascule, ça va pas être bien. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on remet à l'endroit. Parce qu'on ne va pas le laisser geler comme ceci. Imagine qu'il te manque la valeur d'un petit poids de mousse à l'intérieur et que ça fasse une cavité, un trou au sommet. Oui, on va voir au démoulage. Okay. On veut garder un œuf rond. Donc, on va le remettre à l'endroit. Là, c'était juste pour bien faire l'assise. Et on va le mettre à congeler, mais avec cette plaque posée dessus, qui n'est pas lourde, c'est de l'aluminium, mais qui va garder la surface bien plane. Dans la surface, avec tous les petits biscuits, tu vois, déjà, on voit par transparence qu'on a quelque chose qui est bien régulier. Et là, on le congèle comme ceci. D'accord ? D'accord. Je te le donne, tu le mets dans la cellule de refroidissement. Pas dans le frigo, parce que là, il faut que ça congèle. Okay. Voilà pour, donc, les entremets. Maintenant, je vais vous montrer, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, juste le démoulage du biscuit, bien qu'on n'ait pas utilisé celui-ci. Donc là, il est refroidi. C'est juste pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, il est refroidi, mais il est collé à la toile de cuisson, que ce soit du papier sulfurisé ou du silicone. Donc on pose un papier sulfurisé sur le dessus, on attrape le tout et on retourne. Et ensuite on décolle délicatement notre toile ou notre papier. Je ne vais pas faire tout d'un coup parce que en arrivant vers la fin, je risque de casser mon biscuit et d'avoir un morceau qui reste collé sur la toile. Et je veux garder un biscuit qui soit entier, c'est quand même mieux. Donc je fais une moitié, et ensuite je fais pareil de l'autre côté, je fais l'autre moitié. Et en fait, ma toile se détache. Et là, on a donc un biscuit qui est entier et qui est parfait, prêt à être utilisé. Voilà, ça c'était juste pour le démoulage. Et alors, vu qu'on n'utilise pas l'intégralité du biscuit, on peut le filmer et oui, ce biscuit, je ne vais pas le jeter, je vais le filmer et il me servira... pas dans 6 mois, hein, mais il me servira dans les prochains jours pour une autre recette. Oui, vous n'allez pas conserver les préparations pendant des mois et des mois dans votre congélateur domestique. Vous n'êtes pas dans des conditions optimales pour congeler comme un spécialiste du surgelé qui commercialise ses produits. Mais vous conservez quand même quelques semaines. Donc nos entremets sont dans le congélateur, ils sont prêts. Oui. Maintenant, on va faire le flocage. Très bien. Avant le flocage, on va faire le démoulage. Oui. Mais on va se préparer parce qu'il va falloir être prêt quand on démoule. Alors, se préparer, ça veut dire protéger le plan de travail. Donc, moi, je protège avec des feuilles de papier sulfurisé. Vous pouvez le faire avec du papier journal à la maison. Soyez assez large parce que c'est assez volatile. Et c'est juste pour éviter un... Je vais vous chercher une plaque. Je vais faire avec ça. Ouais. Un nettoyage fastidieux par la suite.
Donc, comme on projette, on propulse une matière grasse qui va être jaune ce soir, cette matière grasse, une fois qu'elle est posée, il faut frotter après. Donc, ce n'est pas le plus intéressant de nettoyer. On protège. Je protège également ma plaque. Ça évitera, elle aussi, de la nettoyer. Et je vais même protéger, si vous regardez le pied de mon plateau tournant, je mets du papier film partout. Comme ça, je limite les dégâts. Alors, j'aime bien utiliser une plaque perforée quand je vais pulvériser. Parce que ça me permet de bien centrer ma plaque, en fait. La transparence, je vois. Et des fois, elle serait pleine, on pourrait poser la plaque comme ça, tu vois. Après, quand tu la tournes, tu as un déséquilibre. Là, je vois si je suis bien centré et je sais que quand je vais la tourner, je vais être bien positionné. Tu vas aller me chercher donc les œufs, les 6 œufs qui restent. Ouais. On en a démoulé 6 pour vous montrer un entremets dégelé en fin de live. Il nous en reste 6 qui sont encore gelés. Donc, on va procéder au démoulage. Et vous allez voir que c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Du fait que la base de l'œuf est étroite. Et l'œuf, il a une largeur qui fait au moins le double. Merci. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je retire le papier. Hop. Voilà. Il y en a 6 qu'on a déjà démoulés et les 6 autres qui sont entièrement gelés, bien durs. Et là, on ne traîne pas. Même moi, je n'ai pas parlé beaucoup. Il faut décoller le bord, en fait. Et ensuite, on peut le retrousser comme ceci, tout simplement. Il faut vraiment décoller le bord avec l'ongle, amorcer, en fait, le démoulage. Et ensuite, on presse. Là. Si vous tirez comme ceci sans amorcer le démoulage, toi, ça ne vient pas. Oui. Et puis on peut déchirer le moule. Hein. C'est vrai qu'on avait certains. Oui, on peut déchirer le moule. On y aille avec l'ongle. Si on tire trop fort, c'est sûr que le moule, il ne va pas apprécier. Ça ne sert à rien d'étirer le moule avant de le remplir en écartant comme ça. Ça ne va pas aider au démoulage par la suite. Combien de temps de congélation minimum à la maison avant le démoulage ? Bon, c'est bien que ça passe une nuit. Il faut que ce soit congelé à cœur. Hein. Oui. Alors, sur les millions du fil à retordre. Il faut essayer d'aller vite parce que plus je le garde dans la main, plus il se réchauffe. Alors, pour ceux qui, comme Soraya, nous rejoignent en cours de recette, n'oubliez pas que vous pouvez revoir la recette sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, ou en passant par la recette illustrée sur l'onglet recettes, donc via notre site Meilleur du Chef. Vous avez les étapes avec les photos illustrées pas à pas ou le player pour la regarder en entier. Voilà, le lien se trouve sous la photo principale de la recette, avec le petit, la petite flèche YouTube que vous allez reconnaître. Et ça vous bascule après sur la vidéo. Voilà. Accouchement fastidieux. Alors, ce qu'on peut faire également, pour s'assurer une stabilité, pendant qu'ils sont gelés, hop, j'appuie de façon à être sûr d'avoir une base, toi, qui bouge pas. Qui est bien plane. Voilà. Et là, on va pouvoir donc maintenant les floquer. Donc, mon perlé velours que vous connaissez, on a fait toutes les couleurs, on a fait le marron, on a fait le rouge, on a fait le neutre qui est blanc, et maintenant c'est le jaune, qu'on a déjà utilisé. Et on va donc les floquer en jaune. Je vais me servir de mon plateau tournant pour vraiment aller sur toutes les faces, facilement. Et je me mets à 20-30 cm, et je pulvérise. Alors il est très important de pulvériser sur un entremets gelé. Parce qu'il y a une réaction, le produit, en fait, il se fige au contact du froid. Et si votre entremets n'est pas gelé, eh bien, vous allez avoir un effet mousse, un peu comme on a ici, là, toi. Ouais. Le papier, il n'est pas froid, là.
Mais ça fait une pellicule grasse qui fait des bulles parce qu'en fait, ça ne fige pas. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les prendre délicatement. On est en train d'asphyxier Clément. Il dit rien, il résiste, il serre les dents. Bon, il n'est pas jeune encore, c'est bon. Le pauvre. Et donc après, il n'y a plus qu'à les mettre sur le plat de service. Un plat de service que j'ai déjà dans le frigo qui est prêt. Tu vas mettre ça comme ça même dans le frigo. Tu me ramènes le plat et on va juste terminer donc la présentation de ces petits œufs en rajoutant une petite décoration toute bête. Ça va être de la feuille d'or qu'on va mettre donc sur le sommet. Alors sur la photo d'illustration, vous n'avez pas cette feuille d'or parce que ça ne se prêtait pas à la façon dont la photo a été prise. Mais voilà, si vous voulez rajouter cette feuille d'or, c'est facultatif. C'est vous qui voyez. Alors voyons ma feuille d'or, j'en ai ici. Alors lorsque vous vous déplacez du plan de travail jusqu'au frigo, vous y allez tranquillement. La base fait 3 cm, c'est suffisant, mais voilà, il ne faut pas être non plus brutal. Donc voilà, je les ai disposés comme ceci. Ceux-ci ont été démoulés plus tôt dans la journée, comme ça ils sont dégelés. Et on va pouvoir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour la finition, donc j'ai pris un peu de nappage miroir neutre. C'est un nappage qui s'utilise à froid. Pour ceux qui connaissent le produit, c'est ce pot-là. Donc j'en ai mis un tout petit peu dans un cornet à décor. Et je vais venir déposer une petite goutte sur le sommet. Et ça va me servir en fait de colle pour déposer un peu de feuilles d'or. Alors feuilles d'or, de l'or en feuille ou de l'or en paillettes, vous faites avec ce que vous avez. Et avec la petite pince, je viens de déposer donc au sommet un petit peu d'or. Et voilà. Tout simplement, on ne va pas rajouter d'autres choses, ça ne sert à rien. Donc voilà ce qu'on obtient au bout du compte. Et là, vous avez un petit entremets par personne. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans le ventre. Oui. Donc, on va prendre un petit couteau. Vous voulez une petite assiette ou pas? Non, j'ai coupé directement dessus. Allez, hop, on y va. Alors, de l'or en paillettes sur le site, vous allez avoir les feuilles d'or que vous pouvez découper avec une petite pince de précision comme ça. Et après, vous avez un mélange de paillettes d'or et d'argent, voilà, sur le site. Ou des feuilles d'or, des grandes feuilles, des carrés. Feuilles. Oui. Voilà, donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. J'essaie de vous le montrer à la caméra. Donc, ça fait un peu comme un œuf dur, hein. On a le blanc. Le blanc qui est bien blanc, tu vois, la fève tadoukane ne noircit pas plus que ça notre mousse. Et l'insert, donc, passion, qui est petit parce qu'il est puissant, mais on pourrait le faire un peu plus gros si on voulait. Ça, c'est une question de goût. C'est à vous de voir. Voilà, c'était notre entremets œuf de Pâques au cœur de passion que je vous proposais ce soir. C'était une recette pour Pâques. Ouais. Et la semaine prochaine, on va encore se retrouver. Alors, vous voyez, les lives étaient passés depuis 2023 à un tous les 15 jours. Et là, ça fait quand même quelques semaines qu'on se revoit tous les mercredis. Ça ne va pas durer, mais bon, pour l'instant, on se revoit. On se revoit donc mercredi 20 mars à la même heure sur les mêmes réseaux pour un entremets tablette au praliné, noisette et caramel. Oui. Je ne vous en dis pas plus, mais ne ratez pas cette émission, ça va être une tuerie. Oui. On vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonne soirée, Nina. Bonne soirée, Philippe. Et votre...